Il était une fois au château de la Roche-Guyon. Les dames du château demandèrent que l'on racontât leur histoire. Elles se concertèrent et cherchèrent des artistes dans tout le royaume. Après de longues et périlleuses recherches, elles confièrent à Geneviève Baron et à Jean-Michel Frémont le soin d'écrire et d'enluminer leur légende. De labeur acharné. Un grimoire appelé Bande dessinée et portant le titre de La Dame de la Roche fut déposé entre leurs mains.